Salut à toutes, je suis Laura alias Laura Gardia. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur Instagram où je partage mes chefs-d'œuvre, mes confections couture. Alors aujourd'hui, on se retrouve car je souhaitais vous partager ce que j'ai réalisé au mois d'avril et au mois de mai. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup plus cousu au mois d'avril qu'au mois de mai, quoique, on va voir. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté déjà, mais fin mars, début avril, j'avais cousu le modèle I am Sunshine dans un jean foncé. Et de suite après, je l'avais réalisé dans un bleu clair comme ça, un jean blanchi. Alors le premier I am Sunshine, le voici. Je vous mettrai des vidéos portées, ça sera plus parlant. Mais déjà, je l'avais réalisé uniquement avec la vidéo de Emma de Frendy Couture. J'avais même pas lu le livret technique et ça s'était hyper bien passé. Sauf que j'avais trouvé les passants trop petits. On peut pas du tout rentrer une ceinture et il m'arrive beaucoup trop court. Du coup, j'avais réalisé une seconde version parce que tout le reste allait à part la taille et les passants. Donc, je l'avais réalisé dans un jean blanchi avec les surpiqûres jaunes, avec du coup des passants plus larges. J'avais rajouté 1 cm à chaque passant et je l'avais rajouté 10 cm au bas du pantalon. Je ne me suis pas encore décidée sur ce que j'allais faire. Du coup, j'ai laissé pour l'instant accru et je retourne. Voilà, je verrai ce que je vais en faire. Et pour la réalisation, j'avais utilisé ma bombe de colle pour coller les poches et ensuite faire mes surpiqûres tranquillement sans qu'il y ait des épingles ou quoi que ce soit qui m'embête. Donc j'avais utilisé cette colle que j'utilise quand même régulièrement. Et en fait, ça m'a fait une tache. Une tache de colle qui ne part pas. Hein. C'est impossible à faire partir, j'ai tout essayé et ça ne part pas. Donc sur la poche, ben, ça fait crade quoi. Donc ben, c'est pas grave en fait, je le porte quand même et puis tant pis. Voilà. Mais bon, ça m'embête un peu. Du coup maintenant je fais gaffe avant d'utiliser cette colle. Alors je pense que j'en ai peut-être trop mis, mais bon quand même quoi, c'est un peu dommage. Voilà, les poches, je les avais fait dans une chute de thé de traversin. Voilà. Et je compte le refaire, mais peut-être en cette zone-là, en la faisant un peu plus... Comment dire, un peu plus étroite pour que ça me serre un peu plus, parce que vu que je suis un petit peu cambrée, ou du moins que j'ai les hanches plus larges que la taille, et eh bien resserrer cette partie. Mais bon, c'est une modification qui je pense va être facile à réaliser. Et j'ai déjà commandé du denim dans du noir un peu blanchi. Donc j'essaierai de faire ça. Voilà, c'était le jean I Am Sunshine de I Am Pattern. La toile du jean blanchi venait de chez Toretto Tessuti. Et pour le réaliser, je m'étais basée sur les mesures du modèle fini qui sont données, qui me correspondaient nickel. Du coup, voilà, j'étais partie sur les mesures finies et ça me correspond. Ensuite, après avoir fait des projets un peu complexes qui demandent du temps, parce que je crois que j'ai passé quand même 10 heures pour faire chaque jean, j'avais envie d'un modèle facile, donc quoi de mieux qu'un plantain. Alors je vous avais déjà montré que je voulais faire un plantain avec, j'avais essayé de faire des manches tulipes, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais c'était catastrophique. Donc j'avais plus de coupons de orange parce que j'avais envie d'un tissu orange. Et du coup j'ai réalisé ce t-shirt.
Voilà, donc je mettrai les vidéos portées. Mais voilà, vu que j'avais plus assez de tissu orange, bah du coup, j'ai fait la moitié du haut du t-shirt avec les manches classiques. Hein, j'ai fait un plantain sans rien toucher du coup. Et le bas, j'avais un reste de tissu crème. Donc ça, c'est du jersey de chez Dress & Stoffel. Donc voilà. Classique, mais il apporte une touche d'originalité. Avec bah, des chutes de mon jean Sunshine, du coup j'ai fait des petits cœurs. Et l'orange au niveau de... Ah, Laurie, des cousettes de loup me dira peut-être, mais moi en tout cas, je sais pas si ça va à mon teint, mais moi j'aime bien avoir du orange près du visage, je trouve que ça fait assez lumineux. Lors d'une précédente vidéo où je vous avais montré que j'avais acheté des rubans pour faire un haut que j'avais doré, etc. Bah, je l'ai retrouvé, c'était celui-là. Donc voilà, c'est un haut basique tout noir. Et juste les bretelles sont originales. Du coup, sur cette idée, je suis partie sur le top Rosalia de la maison Victor que j'avais déjà réalisé. Donc j'ai pris la taille en dessous et j'ai mis ce ruban que j'avais trouvé au salon créatif de Montpellier. Voilà. Et du coup le haut tout noir avec juste ces bretelles. Donc je les ai quand même doublées. Il ne restait plus que 80 cm de ce ruban galon, je ne sais pas quel est le terme. Et du coup, ça allait pile poil pour ces bretelles. Avec le haut élastiqué juste à l'arrière, entre les bretelles. Et devant, il est quasiment tout droit. Donc pareil, la vidéo, ça vous donnera une meilleure idée. À refaire, je le referai encore plus étroit. Je trouve que les bretelles arrivent trop sur les côtés et je ferai peut-être la taille en dessous, sachant que c'est un modèle quand même qui est très ample. Et qu'on peut ajuster à sa taille avec l'élastique derrière. Et c'est un haut, je sais plus s'il y a une parementure ou quoi, mais moi je l'ai entièrement doublé, comme ça, ça fait vraiment bah, une finition nickel, on voit rien. Et il y a un meilleur tombé aussi. Mais voilà, il est entièrement doublé avec le même tissu extérieur. Et le tissu, c'est un lin mélangé, lin coton, je crois. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le dernier La Maison Victor, j'ai réalisé le top Morgan. C'est vraiment un t-shirt basique. La seule particularité, c'est au niveau des emmanchures. Donc moi qui avais tenté une manche tulipe et c'était clairement un échec, mais vous m'aviez donné des conseils, c'est qu'en fait, a priori, je l'avais fait trop courte et qu'il fallait vraiment rallonger la manche pour faire les manches tulipes. Donc il faudra que j'essaie, mais en tout cas, dans le dernier magazine, La Maison Victor, il proposait une emmanchure qui faisait un peu esprit tulipe, mais plus facile avec juste un petit twist. Donc c'est une technique qui est très facile. En fait, la manche est coupée ici, on retourne et après on recoud. Et voilà. Donc ça donne ça.
Normalement, la Maison Victor, moi, je ne reprends pas mes mesures et je fais tout le temps la taille 38. Et là, c'était, il est immense. Pour moi, il est trop grand. Surtout que je l'ai fait dans un jersey de viscose de chez Dressensofen qui est vraiment trop mou, quoi. Et voilà, donc je le porte, hein, mais je trouve qu'il me va trop grand. Et il bouloche déjà. Je l'ai fait au mois d'avril, donc je ne l'ai pas lavé non plus 10 fois. Et il bouloche, quoi. Et ça fait plusieurs fois que j'ai des soucis sur, les jerseys de viscose, que ce soit Dressensofen ou même des marques plus chères, ça bouloche. Donc moi, je vais arrêter d'acheter ces tissus, quoi. C'est pas possible. Ça m'énerve de passer du temps, de faire des vêtements et puis que je puisse plus les mettre parce que ça fait un vieux vêtement tout abîmé, donc ça m'agace un peu, quoi. Donc voilà. Donc voilà, je m'étais notée à refaire peut-être en jersey de coton. Peut-être que le rendu serait complètement différent et que même au niveau des manches, ça peut être sympa. Donc à tester avec la taille en dessous. Et en jersey de coton. Ensuite, j'ai cousu, mais pas pour moi, pour une amie qui est témoin au mariage de sa sœur, une maxi dress one shoulder. Mais c'était la maxi dress, peut-être que vous allez vous faire une idée. Donc à la base, c'est le top Chloé de Fibre Mood. Sauf qu'en fait, il faut découper le haut, élargir le haut de la robe pour faire une maxi dress et après un premier panneau et un deuxième panneau. Donc je l'ai réalisé dans cette viscose ultra colorée. Voilà. Je compte pas le nombre d'heures passées, mais en tout cas c'était je l'ai fait pour mon amie parce que pour moi je pense qu'avec la quantité de fronces ça m'aurait énervée, mais là je l'ai réalisé avec plaisir et parce que le résultat en plus est magnifique. La robe elle est immense, elle tourne, elle a un beau tombé, enfin je trouve que ça valait vraiment le coup de la faire. Il m'a fallu 4 mètres de tissu et vraiment j'avais pas beaucoup de chute, j'avais peut-être 20 cm de chute et encore. Donc en taille 38 pour mon ami qui fait à peu près 1m70, j'avais enlevé 12 cm sur ce premier panneau. 12 cm ici pour remonter la taille. Et ensuite le premier panneau faisait 307 cm sur 53 et le deuxième faisait 460 cm sur 21 cm. Là. Voilà. Mais je vous mettrai dans la description un tuto, si on peut appeler ça, sur lequel je me suis basée. C'est un article de blog et je me suis basée sur ça pour la confection de cette robe. Donc voilà pour le dernier projet que j'avais fait du mois de mai et après je suis partie en séjour couture chez Marion avec celle que vous connaîtrez sûrement, mais Audrey V, les cousettes de Lou, Laurie et aussi le coin de Perrault. C'était super chouette, là on est jeudi et je suis rentrée dimanche et du coup vu que le mois de mai j'ai fait uniquement la robe maxi dress que je viens de vous présenter, j'ai pas cousu autre chose et du coup je me suis rattrapée au séjour couture et là j'ai fait quelques modèles. Donc pour commencer, Laurie avait reçu de la marque Needle & Co le patron Manel, du coup que j'ai réalisé chez Marion. J'avais ramené un jersey de coton que j'avais envie de coudre, uni dans une couleur comment on appelle ça, camel, cognac peut-être. Donc je trouve qu'au niveau des manches, ça ressemble un peu au t-shirt Odette de la Maison Victor. Là, je me suis foirée sur la surjeteuse. J'avais pas baissé le pied de biche. Donc ça a cousu en faisant plein de bouclettes. Donc je suis repassée une deuxième fois dessus. Je n'utilisais pas ma surjeteuse. J'utilise les machines qui sont chez Marion.
Donc voilà, on va dire que je me suis foirée à cause de ça, mais bon, j'aurais pu peut-être aussi être plus concentrée. Donc, pour les autres versions, j'avais mesuré le col, j'avais fait x 0,9 et j'ai rajouté 0,7 de marge de couture pour avoir, je trouve, une encolure qui tombe mieux. Après, au niveau des manches, j'aime bien qu'on puisse replier ou pas. Voilà, ça donne un effet complètement différent. C'est des manches tombantes. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, donc c'est d'un seul tenant là, ici. Et après, on rajoute juste ce bandeau qui est plié sur lui-même. Donc au niveau de la finition, c'est pas mal. J'aime bien quand on n'ait pas besoin de faire un double rentré et qu'il y ait une piqûre ici. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, qu'il n'y ait pas de surpiqûre ici. Et j'ai même pas fait, le bas. Donc c'est juste accru. Mais ça, il faudra que je le fasse. Mais vu que je dois aussi refaire la bande en colure, et dans l'ensemble, je le trouve peut-être un peu trop grand. J'avais fait la taille 40, qui finalement était trop grande. Après, je l'ai refait en taille 38, que je trouve trop grande aussi. Voilà, j'ai plus la taille 38. Je vous mettrai peut-être que j'ai une photo. J'ai plus la taille 38 que j'avais fait avec moi, parce que avant de partir, je l'ai donné à Marion, parce qu'il me semblait qu'elle avait aimé ce tissu, puis il n'y en avait plus assez pour qu'elle s'en cousin. Du coup, je lui ai donné le mien. Voilà. Mais je pense que je vais le refaire en taille 38 ou peut-être 36 pour essayer, parce que je trouve qu'il taille quand même grand. Voilà, et je ne le ferai pas en jersey de viscose, j'ai dit que j'arrêtais, mais en jersey de coton. Ah oui, et juste avant de partir chez Marion, j'avais ce morceau du tissu que je comptais amener. À la base, je voulais refaire la maxi dress, la one shoulder que je vous ai présentée, basée sur le modèle Chloé de Fibre Mood. Sauf que j'avais donc acheté 4 mètres de ce tissu. Sauf qu'après avoir fait une fois la robe, ben, même si elle est très très belle, en fait, on n'a pas envie de la refaire une deuxième fois. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire une jupe, maxi jupe paper bag. Donc j'ai juste pris le tissu sur la laise, je l'ai replié. Et au niveau de la longueur, j'ai coupé à ma taille. Donc j'ai vraiment fait un double rentré. Et puis finalement, ça faisait trop droit, etc. Donc du coup, j'ai coupé et j'ai fait... On verra rien là. Et j'ai fait une fente. Vous verrez mieux sur la vidéo, évidemment. Mais j'ai fait une fente avec juste un double rentré. Voilà. Ça, c'est un super tissu. Il est assez lourd. Il a un beau tombé. Faudrait que je retrouve le nom du tissu. Si je le retrouve, je vous le mettrai juste en bas. Mais vraiment, très jolie matière. Après, c'est du synthétique. Hein, mais je trouve que pour une jupe, pour avoir un beau tombé... c'est assez chouette. On arrive bientôt à la fin de mes cousettes. Alors, ensuite, Babette, alias Elisabeth, salut si tu passes par là. Au troc tissu, elle avait apporté des modèles qu'elle avait cousus qui ne lui plaisaient plus ou qui ne lui allaient plus. Donc je trouve que c'était une idée plutôt sympa. Il y avait aussi plein de coupons de tissu, mais Babette avait rapporté des vêtements qu'elle avait cousus. Et moi, j'ai craqué sur sa robe en wax. Voilà, je l'adore. Le tissu est magnifique.
Et puis voilà, elle avait déjà pas mal, elle avait déjà pas mal bossé dessus. Donc moi j'ai apporté 2-3 modifications. Donc là, au bras, là, à la manche, il y avait un petit nœud qui moi me correspondait pas trop. Donc je l'ai cousu et. Enfin je l'ai coupé et j'ai recousu. Ensuite, la robe était un peu grande pour moi. Du coup, j'ai repris au niveau du col. Ça se voit même pas en plus avec tous ces motifs. J'avais repris au niveau du col. Voilà, j'ai fait un rentré. Et j'ai juste cousu ici. Donc c'est quand même discret hein, sur l'épaule, je trouve. L'autre côté, évidemment, pareil. Ensuite, c'est une robe qui avait un joli col carré. Mais du coup, qui était trop large pour moi. Du coup, j'ai fait un pli creux. Ça, c'est avec les conseils des filles. Donc, j'ai fait un pli creux. Voilà, puis après, aplati. Donc, ça fait plus trop le col carré, mais ça fait plus un col... Ah si, là, c'est un petit peu carré, mais c'est plus petit ici. Voilà, mais c'est quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très bien. J'ai raccourci. J'ai fait un double rentré là d'une dizaine de centimètres. Moi je crois que j'ai fait 5 et 5, donc un double rentré de 10 cm. Et au niveau de la taille, derrière, j'ai rajouté un élastique. Je pense que c'est pas très glorieux en termes de finition à l'intérieur, mais je me suis basée sur sa marge de couture. Voilà, il y avait une marge de couture et du coup, point zigzag, j'ai juste mis un élastique. Et au moins, ça, plutôt que de resserrer la robe sur les côtés, en fait, j'ai mis un élastique à l'arrière et ça se met plus près du corps. Et enfin, dernière modification que j'ai pas encore cousue, mais je vais le faire. Là, il y avait des pinces. Comment ça s'appelle ces pinces? Des pinces quand ça descend comme ça, là. Princesse un peu, peut-être, je sais pas. Du coup là j'ai mis juste une épingle, mais voilà, je vais resserrer et dans la continuité de la couture. Voilà, vous réajustez ici, mais vous verrez mieux en vidéo. Donc, voilà pour cette robe. J'ai réalisé le modèle réglisse que j'avais déjà fait dans une double gaze de noir. Donc ça c'est la robe réglisse de Dirando. Donc voilà, avec les petites manches que j'aime beaucoup. Ici la pâte de boutonnage, en fait c'est des... Moi j'ai mis des boutons pression en métal. Donc on peut quand même ouvrir. Mais il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de la faire en vrai. Elle s'enfile directement comme ça. Donc là vous pouvez, d'ailleurs c'est préconisé comme ça dans le patron, de mettre une fausse pâte de boutonnage. Là c'est un élastique de 2 cm, je pense qu'il vaut mieux un 3 cm mais j'en ai pas. Les pinces pour moi sont trop hautes. La prochaine fois il faut que je les mette plus droite ici, comme ça. Là c'est trop haut, mais bon ça m'empêche pas du tout de la porter. Et ensuite, j'étais à côté de Babette pour la couture de cette robe. Et elle fait beaucoup de couture anglaise. Du coup, ça m'a donné envie. Je vais le rapprocher. Ouais. Du coup, ça m'a donné envie. Et du coup, pour le jupon, j'ai fait une couture anglaise également. Et après, le bas de la robe, ça se fait au biais retourné comme ça. Et... Elle est un peu grande cette dame. Et pour le col, aussi c'est un bien retourné comme ça. Voilà donc pour le dernier projet du mois de mai.
Et le tissu provient d'une boutique à Annecy parce que lors du week-end couture, on est allé se balader à Annecy. C'est magnifique comme ville. Et on est allé avec toutes les filles au magasin de tissus. Et du coup, moi, j'ai craqué sur ce tissu. Donc, c'est une viscose très chouette. Beau tombé dans un vert. Je crois que la couleur est à peu près correcte, ce que vous voyez. Dans un vert profond. Je la trouve magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un mini haul de ce que j'ai récupéré lors de mon séjour couture. Entre le troc, la balade au magasin de tissus. Et on est allé aussi samedi matin à Emmaüs et j'ai trouvé quelques petits morceaux de tissu assez sympas. Donc voilà pour mon bilan couture et je vous fais la présentation des tissus tout de suite. Tissu, j'ai été plutôt raisonnable parce que j'ai acheté deux bordcottes, un moutardé et un blanc. Donc voilà, c'est juste du au cas où, c'est toujours bon d'avoir dans son atelier de couture parce que ça sert toujours. Donc j'avais acheté ce coupon, il m'en reste plus. J'ai utilisé 2 mètres pile poil. J'ai eu juste la place aussi de faire un chouchou pour les cheveux pour Priscilla. Coucou si tu passes par là aussi. Donc voilà, 2 mètres pile pour cette robe réglisse. Je crois qu'il préconisait 2,30 m. Mais bon, dans 2 mètres, c'est passé. Et ensuite, j'ai acheté ce tissu. Donc, qui est vert avec des rayures cuivrées. Et c'est type bâchette. Donc, c'est vraiment un coton hyper épais. Donc, à la base, j'ai dans l'idée de faire un short. C'est le tissu CU at 6. Donc j'ai pour objectif de faire un short. Là j'ai pris que 1 mètre. Donc il va pas falloir que je me foire. Donc j'ai pris 1 mètre. Donc soit je fais un short, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit trop rigide. À voir. Sinon je fais la jupe agave de Dirando. Ou alors le dernier short qu'ils ont sorti avec des pinces sur le devant qui peut être pas mal. Il y a peut-être le short Calypso aussi de la Maison Victor qui est pas mal. Donc voilà, soit une short, soit une jupe, mais en tout cas un bas. Parce que trop rigide et les filles me conseillaient une veste. Sauf que moi à Montpellier, je ne mets pas de veste. Parce qu'on n'a pas trop de mi-saison. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Donc on est en t-shirt ou en pull, grosso modo. Donc des petites vestes, j'en mets pas. Donc voilà, c'est deux tissus au magasin de tissus. Au troc tissu, ben donc j'avais eu du coup cette robe. Ensuite, là c'est Perrault, si tu passes par là. Ce tissu que je trouve, alors je sais pas ce que c'est, on dirait un jersey lin, donc complètement transparent, que j'adore. À la base, je voyais un gilet, mais en fait, pendant tout le séjour, je l'ai porté tel quel. Non, ouais, parce que le soir et tout, il était un peu frais. Donc, je le portais tel quel. Et je me suis dit qu'en fait, juste le coupon de tissu porté comme ça, ben, ça allait très bien. Et donc, voilà, c'était un peu le running gag du truc avec mon gilet que j'avais même pas surjeté ni fait d'ourler. Je portais mon coupon de tissu, on voyait la laise avec les petits trous et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, quand même, le dernier jour, j'ai fait un ourlet, histoire de, hein, pour me dire, bon ben, j'ai quand même fait un ourlet, j'ai quand même fait quelque chose de tissu, mais je voulais à la base faire un petit gilet, un t-shirt, quelque chose, mais finalement, je vais l'utiliser comme ça, comme un châle, un peu comme une étole. Il est très agréable, léger, donc voilà, je sais plus qui avait apporté ce tissu. Les filles, si vous vous rappelez, vous me le dites en commentaire. Mais je sais plus. Donc voilà, ce tissu. Ensuite, il y avait cette toile de coton. On s'était accordé sur le fait que ça faisait un peu tenue de bagnard, de prisonnier. Je sais pas quoi en faire. Surtout qu'il y a Nadine aussi qui était intéressée. Mais au final, elle s'était rétractée parce que... coucou Nadine, bien sûr. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou.
Parce qu'en fait, dans le blanc, il y a du bleu marine qui a bavé. Donc pour faire une tenue, c'est pas top. Donc soit je ferai des coussins au final, le coussin pour l'extérieur. Sinon pour une housse pour recouvrir ma table à repasser qui est vraiment moche et toute pourrie. Donc peut-être utiliser cette toile. Parce qu'en plus, il y en a une sacrée... Il y a un sacré coupon là-dessus. Ça, il me semble que c'est apéro. Pérolide. Donc, c'était un tissu, c'est un jersey côtelé. Assez fluide. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Je sais pas trop si ça va à mon thème. En tout cas, moi j'aime. Je sais même pas si je suis automne ou hiver, été, printemps. Mais moi j'aime les couleurs automne. Dans la colorimétrie et ça tombe parfaitement dans ce thème là et du coup là en été, enfin, je vais pas le faire mais pour l'automne je me ferai un sweat, on s'en fout, on dit comme on veut dans ce jersey côtelé. Voilà, c'est du jersey velours côtelé mais très très agréable. J'adore, j'ai déjà hâte. Et c'était à Emmaüs. Donc à Emmaüs, j'avais repéré ce jersey blanc rayé. Très fin. Je sais pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est un tube. Bon, un grand tube, hein. Mais c'est un tube. Donc peut-être pour faire un pyjama ou quelque chose comme ça pour les enfants. Mais je trouve que c'est joli, tout fin. Voilà. Un petit t-shirt short pour l'un de mes fils. Parce que j'aurais pas assez pour les deux. Ça, c'était 20 centimes. Ensuite, ça, c'était 1 euro. C'est une nappe carrée. Non, je pense que c'est une nappe. Hein. Une nappe carrée. Et en fait, le travail de broderie est dingue. Voilà, tout brodé à la main. On a du mal même à voir l'endroit de l'envers tellement que c'est bien fait. Et j'ai une veste en... Mon idée n'est pas précise, mais j'ai une veste en jean. Alors peut-être découper cette partie et le mettre sur le dos d'une veste en jean. À voir. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais bon. C'était 1 euro, ça me plaisait. Donc le risque était quand même mesuré. Ensuite, j'avais trouvé ça. C'est de la bâchette. Je pense que c'est une nappe. Limvoge, je sais plus comment c'était, peut-être 2 euros. Donc là aussi j'ai un grand morceau. Donc soit j'essaie de me faire un pantalon, mais j'en ai jamais fait à part des jeans. Du coup ça, je sais pas pourquoi ça me stresse un petit peu que ça m'aille pas et que ça use beaucoup de tissu quand même. Donc soit un pantalon, soit un short, soit une jupe et peut-être en toile. Avant d'utiliser celui-ci, peut-être faire une toile dans celui-ci. Une toile portable parce que j'aime pas faire les toiles pour faire des toiles. Donc une toile portable dans celui-ci avant d'utiliser ce beau coupon qui est carrément plus cher. Mais je me dis que ça peut faire sympa. Avec un t-shirt uni à noir, ça peut être cool. Voilà. Les filles, elles ont trouvé des tissus magnifiques à Emmaüs. Peut-être qu'elles vous les partageront en vidéo, mais trop trop chouette. Ensuite, rien à voir, mais il y a le compte Instagram de Jerry in Stitch ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom ici. J'adore, elle est hyper créative. Elle fait des motifs à la broderie, mais à la main sur ses vêtements. Ça porte un nom, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment canon. Et elle fait aussi du tie and dye sur ses vêtements. Donc, elle les teint, elle part sur des tissus blancs et elle les teint. Et c'est trop chouette. Donc ça donne un peu cet effet là. Tie and dye. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais ça m'a fait penser à elle. Et donc peut-être faire un... Pas une combinaison. Mais un haut et un short. Donc pour faire effet combinaison. Sans avoir les inconvénients de la combinaison. Où tu dois complètement te dessaper. Donc avec ce tissu. Donc c'est une grande nappe. Et il y avait aussi les petites serviettes. Je crois que c'était 3 euros tout ça. Donc si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, donc une combinaison, donc un haut, un bas là-dedans, ça peut être vraiment chouette.
Et pourquoi pas dans l'idée de la combinaison violette, Violetta. Je vous mettrai le dessin technique de la maison Victor. Je crois que c'est Violetta ou Violette, je ne sais plus. Partir sur ça avec un dos plongeant croisé. Et je crois qu'il est en version pantalon, mais le faire en version short. Donc voilà pour ce tissu. Et le dernier coupon que j'ai trouvé à Emmaüs. Là, c'est une couverture, je pense, matelassée. Et dans l'idée de peut-être faire une veste, bah, vu que c'est molletonné, un peu plus chaude, dans l'idée, il y a Made by Valentine sur Instagram, je vous mettrai le lien également, qui a un niveau de couture exceptionnel. Elle se base, elle fait tous ses patrons maison, en fait, elle voit des inspirations, des trucs qui lui plaisent dans des marques qui coûtent assez cher. Elle refait le patron et elle se refait les vêtements. Pareil, avec des tissus qu'elle chine uniquement. Elle part aussi avec des tailleurs dans Emmaüs ou sur les vide-greniers. Des tailleurs, elle les retravaille et elle en fait des combinaisons ou un ensemble. Enfin, incroyable, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et du coup, ce tissu matelassé m'a fait penser à elle et du coup, peut-être faire quelque chose dans cet esprit-là, il est matelassé. Voilà. À voir. Ça, c'est plus pour cet hiver, hein. Je ne vais pas me faire une veste matelassée tout de suite. Voilà pour ce bilan couture. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver pour faire cette vidéo. Je partage là, je vais vous mettre quelques images, quelques vidéos pour ça, que ça intéresse de notre séjour couture. Je vous invite vraiment à y aller. Il y a une super ambiance, on s'est vraiment amusé. On a partagé plein de conseils, des astuces. Le lieu, Marion et Mathias ont fait quelque chose de très très chouette. Donc voilà, normalement j'y retourne au plus tard l'année prochaine, au mois de mai. On s'est donné rendez-vous l'an prochain, donc j'espère que ça pourra se réaliser. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! J'ai pas pris de gâteau. Ah bah voyons! Si! Si! Ouais, je vois. C'est bien passé, Laurie? Non, pas trop. C'est pas grave, c'est trop.
petit coucou, c'est moi. Un petit coucou, c'est moi. Et bisous à toutes les filles qui étaient là au séjour couture. C'est vraiment hyper chouette de vous avoir rencontré. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bisous. Ciao, ciao.